Bonjour. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Lost Judgment 11, ça a l'air bien. À la fin. L'épisode précédent s'est occupé de... J'allais dire nacelles, mais ce ne sont pas des nacelles. De sondes temporelles ou de témoignages temporels. De capsules, je crois que c'était capsules, le terme des capsules temporelles. Et on a aussi poursuivi un modèle anatomique vivant qui se baladait dans le lycée. On n'a pas pu terminer l'affaire ou l'intrigue annexe qui était justement liée à ce modèle anatomique. Vu qu'il faut qu'on revienne au lycée la journée pour pouvoir voir l'étudiant sans son maquillage et espérer qu'il ait réussi son contrôle, on va passer donc à d'autres affaires, d'autres intrigues en attendant. Ça va être un autre épisode, on va faire quelques petites intrigues comme ça, pendant à peu près 1h30. Allons-y. Alors, selon le temps que prennent les intrigues, bien sûr. On a celle-là à propos d'un ovni, visiblement, qui est juste à côté de l'enceinte du lycée et qui nous nargue depuis un moment. Tu veux parler d'un enlèvement? Tu crois qu'ils leur implantent des puces ou un truc comme ça? Je sais pas. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Un ovni, ici, à Ejincho. Ça me rappelle cette histoire d'enlèvement extraterrestre il y a 2 ans. Le père d'un élève de 3e année s'est volatilisé. Ça fait carrément flipper. Et tout le monde ne parle que de ça sur le chatter. On raconte même qu'il pourrait enlever quelqu'un à nouveau. Un enlèvement extraterrestre. Foutons le camp d'ici avant qu'il nous enlève, nous aussi. Je dois bien admettre que toute cette histoire m'intrigue. Ils ont parlé de chatter. Je pourrais peut-être aller y jeter un œil. Désormais le mot-clé OVNI. Alors, agenda du lycée, non. Radar de buzz, oui. On a aussi eu un modèle anatomique, on l'a utilisé. Arachnid aussi, non, on n'a rien eu de nouveau. C'était modèle anatomique qu'on a vu dernièrement. OVNI. Ah, on y est. Ok. Les machines à pince OVNI sont truquées. Les OVNI n'apparaissent que la nuit. Ça serait un coup monté du gouvernement, on appelle ça un enlèvement. On ne voit plus beaucoup d'émissions OVNI tard le soir à la télé. Où sont-elles passées? Quelqu'un qui aurait été kidnappé. Apparemment, ils n'apparaissent que la nuit, principalement aux alentours du quartier des bars. Bon, j'ai l'heure et le lieu. Il va maintenant falloir que j'ouvre l'œil si je veux réussir à percevoir un OVNI. Ok, donc si on va ici... La vérité sur les ovnis. On veut savoir. Donc si je regarde là, c'est plus au sud. Plus au sud. On va voir la carte. Ça doit être ici du coup. Vérité sur les ovnis. Voilà. Ça fait un petit peu d'argent hein, du coup, l'épisode précédent. On est à 50 000. Pas grand chose parce qu'on n'a pas eu de récompense pour la deuxième quête du coup. Mais déjà un petit peu d'argent grâce à la première. On verra si cette histoire d'OVNI nous rince un peu. C'est quoi ce bruit? C'est le bruit des ovnis? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà je vais récupérer ça. Qu'est-ce qu'il fait ce... Oh! Mais c'est un drone! Nanda. C'est tout petit. Alors je dis que c'est tout petit, mais peut-être que c'est très loin. Mon dieu, c'est un vrai ovni. Je savais. Alors qu'est-ce que tu dis ça, Masawa? Tu vois que les extraterrestres existent. C'est peut-être juste un projecteur. Impossible. Qu'un projecteur est capable de faire ça, je le savais, je le savais. Yabuki, tu t'emballes un peu là, non? Kyoko? OVNI est une traduction du mot anglais UFO. Inventé par l'armée de l'air américaine pour décrire un objet volant non identifié. Il peut s'appliquer à différentes situations. À ce stade, rien ne nous permet d'affirmer qu'il s'agit bel et bien d'une activité extraterrestre. Je suis même sûr qu'on peut trouver une explication rationnelle à tout ça. Ça va remettre en doute ce qu'on vient de voir de nos propres yeux. Ce que tu peux être borné quand tu t'y mets. C'est ça le problème, avec le club des mystères. Non. Salut, Kyoko. Monsieur Yagami, qu'est-ce que vous faites ici?
Eh bien, j'ai vu des messages passer sur Chatter concernant des apparitions d'OVNI. Alors j'ai décidé de mener ma petite enquête. Et toi, que fais-tu ici? Yabuki m'a invité à venir observer des OVNI avec le club d'études paranormales du lycée. On a un club comme ça, c'est Lio. Vous êtes Monsieur Yagami? J'ai beaucoup entendu parler de vous. Moi, c'est Akihiko Yabuki. Je suis le président du club d'études paranormales du lycée Celio. Et voici Akali Tokioka, la vice-présidente. Bonsoir. Alors comme ça, vous êtes tous venus observer des ovnis? Le club des mystères est le club d'études paranormales qui travaille main dans la main, comme c'est mignon. C'est vrai que les mystères surnaturels et les enquêtes policières ont de nombreux points communs. Mais enfin, Monsieur Yagami, qu'est-ce que vous racontez? Oui, il y a certaines similitudes entre nos deux activités, mais elles restent quand même diamétralement opposées. Tu es bien catégorique. Elles sont tout de même un peu liées, non? Écoutez, les événements surnaturels sont simplement des mystères que la science humaine peine encore à expliquer. Pour faire simple, il s'agit de phénomènes que la science ou la logique ne peuvent expliquer de façon rationnelle. Mais les mystères dont nous nous occupons dépassent eux aussi l'entendement sur le coup, non? C'est vrai. Oh, le petit écureuil derrière. Mais on part toujours du postulat qu'ils peuvent être résolus de manière rationnelle. On ne spécule jamais. Depuis des siècles, cette pensée a façonné le genre du roman policier. Tout mystère, quel qu'il soit, peut être élucidé par de simples faits rationnels. Mais ce qui plaît dans le genre fantastique, c'est la nature impénétrable de ces histoires inexplicables. Les faits scientifiques laissent place aux questions sans réponse. Ces deux genres d'écriture, c'est un peu comme l'eau et le feu. La lune et le soleil, le natto et la cuisine italienne, Urashima Taro et Edgar Allan Poe, vous voyez quoi. Je ne suis pas sûr d'être assez cultivé pour vérifier la pertinence de ta dernière comparaison, mais j'ai saisi l'idée. Ce que je comprends surtout, c'est qu'il existe une rivalité entre le club de mystère et le club d'études paranormales, pas vrai? Une rivalité? Pour ça, il faudrait déjà qu'on joue dans la même cour. Oui, vous serez gentil de ne pas nous comparer au club des mystères. Nous n'avons pas peur d'affronter les phénomènes inexpliqués, nous. Tu sais, Yabuki, ce qui plaît aux amateurs de romans policiers, c'est de savoir qu'au bout du labyrinthe se cache toujours la vérité. Tu crois vraiment qu'un pirate partirait à l'aventure s'il n'était pas sûr de trouver un trésor au terme de son périple? Mais Amazawa, tu ne peux pas nier qu'il y a, en ce monde, des mystères que personne ne peut expliquer. Je refuse de devenir comme ces personnes rasoirs qui oublient de s'émerveiller face aux mystères de l'univers. Ces personnes rasoirs? Leur rivalité est tellement flagrante. Yabuki, un ovni aurait été aperçu non loin d'ici. Quoi? Il y a de l'activité ce soir. Allons-y. Attends-moi. Foutu chasseur d'ovni. À quoi bon m'inviter si c'est pour me laisser tomber comme ça? On ne peut pas nier qu'ils ont l'air passionnés par ce qu'ils font. Je vais aller faire un tour à la librairie avant de rentrer chez moi, j'espère. Je préfère plutôt me plonger dans un nouveau roman que de les suivre aux quatre coins de la ville. D'accord, bonne nuit. Bon, je ne m'attendais pas à voir un ovni ce soir, mais il ne faut pas oublier cette histoire d'enlèvement. C'est peut-être du sérieux. Je ferais peut-être mieux de garder un œil sur le ciel, juste au cas où. La vérité sur les ovnis. Alors, mot-clé mis à jour, OVNI. Du coup, faut peut-être que je retourne dans mon radar. Ah, on y est. Les OVNI sont plus une menace militaire qu'une invasion extraterrestre. Alors, comme ça, les OVNI existent vraiment. Ok, ceux qui pensent que les OVNI existent, osef de votre avis et désabonnez-vous de mon compte SVP. Les OVNI existent, c'est tout simplement prodigieux. En jugé par ses déplacements, il s'agit bien d'un OVNI, c'est une découverte extraordinaire. Oh, on y est. Oui. Ah, je vais faire ça alors. Il faut que je choisisse le bon en fait, d'accord. Je comprends mieux. J'ai jamais vu qu'il y avait cette partie-là, mais en fait, c'est parce que je l'ai fait sans faire attention à chaque fois. La sélection du bon message, sans faire exprès. Ou en les sélectionnant tous un par un. Hop, je pense que c'est plutôt celui-là. Je peux faire ça, hein. Hop, voilà, merci. Je pense que c'est lui. Ou alors, il n'y a pas la cloche à chaque fois. En tout cas, c'est bien vers ce secteur-là. D'ores et déjà, le petit GPS. Une ruche. Inattendu, ça.
bonjour. Un fruit mystérieux. Oh 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 oh. Une énorme patate. D'ailleurs, je passe pas au niveau de la quête principale là, non, c'est bon. Les petits jetons au passage. Je sais pas encore à quoi ça va me servir, mais sait-on jamais. Je vais récupérer l'objet. Salon ! Laisse-moi l'objet ! Bon, je peux récupérer mon objet. Merci. Ah, bon bah tout ça pour ça. Oh la vache. Ça y est, on en est là. Bientôt les pancartes. Ô grand être galactique, je vous en conjure, venez à moi. Emportez-moi jusqu'aux confins de l'univers. Baisse d'un ton, quelqu'un pourrait t'entendre. C'est le club d'études paranormales. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Oh la pauvre. Se pose des questions sur son club là. Elle va peut-être changer, hein. Peut-être que demain c'est tricot. Bonsoir. Ah, monsieur Yagami. Vous aussi, vous avez été guidé par les longueurs d'onde. Hein? J'arrive à capter certaines longueurs d'onde émises par les ovnis. Oh, tu me fais marcher, pas vrai? C'est une sorte de sixième sens. C'est difficile à comprendre, et encore plus à expliquer. Mon père était aussi très réceptif. Ça doit être héréditaire. Tu sais qu'il y a une infirmière au lycée qui devrait pouvoir t'aider. Regardez, monsieur Yagami. Là-bas, un ovni. Où ça? Quoi? Il était juste là. T'es persuadé que ce soir serait le bon? Tu as l'air d'avoir une réelle passion pour les ovnis, Yabuki. Et vous aussi, monsieur Yagami. Vous êtes venu observer les étoiles? Eh bien, ce qui m'intéresse surtout, c'est cet enlèvement extraterrestre qui aurait eu lieu il y a quelques années. Oh. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Cette histoire d'enlèvement a bien eu lieu il y a 2 ans. Un ovni est apparu au-dessus des Jinchō. Et quelqu'un a disparu. Eh? Vraiment? Monsieur Yagami, vous êtes détective, pas vrai? Ah. En effet, c'est mon emploi principal. Est-ce que vous pourriez retrouver une personne enlevée par des extraterrestres? Pour être honnête, c'est la première fois qu'on me demande une chose pareille. Vous voulez bien écouter mon histoire au moins? Oui, bien sûr. Dans ce cas, je vous attendrai au White Kitchen. D'accord, à tout à l'heure. Si Yabuki sait quelque chose au sujet de cet enlèvement, je ferai mieux d'aller lui en parler. Extraterrestre ou non, on dirait qu'une personne a bel et bien disparu. Alors, c'est où le White Kitchen? Ça me dit quelque chose? Oh la vache, c'est juste à côté de la quête principale. Au pire, je peux faire le tour pour entrer dans la rue sans être du côté de la boutique. Parce que je sais pas si la quête principale va me happer dans le café plage. Si je passe devant, ou si ça va attendre que j'entre dans le bâtiment. J'ai pas vraiment envie de prendre le risque. Enfin, je vais plutôt passer sur le côté là. Il est où? C'est pas lui là. Il est où, bon sang? Il est peut-être devant. Ah pardon, c'est ici. Où est-ce qu'il est?
Je suis bien au Wet Kitchen. C'est moi qui suis bigleux ou... Ou il est nulle part? J'y arriverai jamais. Bonjour. Bon, je cherche quelqu'un. Ah, il y a un étage. Peut-être. Non, c'est une autre porte. Ah, si, il y a un étage là. Ah, il est là. Je vais y arriver. Quand je commence à m'emballer comme ça, j'ai du mal à m'asseoir. Et à passer par les portes. Salut Yagami. Tu voulais me parler de cet enlèvement. Oui, je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Yagami. Bon, la gueule du burger, ça fait peur. Donc c'était il y a 2 ans, c'est ça? Et la personne n'a jamais été retrouvée? Non, on a recensé une hausse des signalements d'OVNI ces derniers temps, exactement comme il y a 2 ans. Tu peux m'en dire plus? Ces témoignages provenaient de diverses sources. Pas seulement des amateurs de surnaturel, même les médias locaux ont fini par s'y intéresser. À l'époque, un ufologue s'est penché sur ce phénomène local, ce qui l'a rendu plus ou moins célèbre. Ce scientifique, c'était mon père, Eiichiro Yabuki. Ah, vraiment? J'ai entendu parler de lui, en effet. Il est passé plusieurs fois à la télé, pas vrai? Oui. Il a publié pas mal de livres sur différents sujets ésotériques, les ovnis, les cryptides, les oopartes, les continents perdus. Attends, mais il ne dit pas que... Si. Cette nuit-là, un ovni géant a été aperçu au-dessus d'Ijinjo. Et mon père a disparu sans laisser de traces. Je vois. Cette personne portée disparue dont on m'a parlé, c'est donc ton père. Mais tu crois vraiment qu'il a été enlevé par des extraterrestres? Oui, c'est ma théorie. Mon père a consacré des années de sa vie à la chasse aux ovnis. Il venait de mettre au point un signal radio pour communiquer avec eux et il le diffusait en boucle. C'est comme si les ovnis avaient répondu à son appel. Vous savez ce qu'il m'a dit, quelques heures avant sa disparition? J'ai établi un premier contact, ils vont sûrement venir me chercher. Oh, c'est une sacrée découverte. On est quand même en train de parler d'une disparition d'il y a 2 ans. On est allé voir la police avec ma mère, mais ils nous ont rionné. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de temps à perdre avec nos histoires d'ovnis. Alors, qu'ils soient en mode les steaks que c'est des ovnis, je peux comprendre, mais... Rironner de gens qui viennent te voir, déjà, bon, c'est un peu n'importe quoi. Et surtout, le mec a disparu depuis 2 ans. La question, elle n'est pas de savoir si c'est des ovnis ou pas, hein, et de savoir où est le monsieur pour la police. Donc il faudrait quand même qu'ils s'y mettent au bout d'un moment. Ah, ça fait peut-être pas deux. Mais aujourd'hui, il y a presque autant de témoignages qu'il y a 2 ans. Je sens que quelque chose se trame. Mais ça ne suffit pas. Si je réussis à prouver l'existence des ovnis, alors la police, que dis-je, le gouvernement tout entier sera bien obligé de prendre des mesures. Quel genre de preuves tu cherches? Des témoignages photographiques. Une photo nette dont on pourrait prouver l'authenticité. Ce serait déjà pas mal. Monsieur Yagami, si je vous ai demandé de venir ici, c'est pour faire appel à vos services. La prochaine fois qu'un ovni apparaît, j'aimerais que vous le preniez en photo. Alors, il faut faire au moins une vidéo, mon gars, parce qu'une photo, tout le monde va dire qu'elle est truquée. Hein. Peut-être la vidéo aussi, mais c'est un peu plus dur. Quoi? Tu veux sérieusement m'embaucher pour ça? Oui. Aidez-moi à retrouver mon père, je vous en prie. Super, encore une mission tordue. Mais je comprends qu'il souhaite savoir ce qui est arrivé à son père. C'est noté. Si jamais je vois une soucoupe volante, un ovni, j'essaierai de le prendre en photo. Oui, s'il vous plaît. Une photo bien nette. C'est tout ce qu'il me faut. Il faut que j'y aille. Gardez un œil ouvert. Je pourrais peut-être consulter le radar de Buzz à ce sujet, histoire de savoir par où commencer. Parce que là, il nous demande de prendre une photo d'un ovni. En vrai, on s'en bat les steaks. Moi, j'ai envie de chercher son père. Alors, c'est par où? C'est dans quel coin? Si je vais... Il faut que j'aille là. Hop, hop, ovni. On y est. J'en reviens pas de... Je viens de voir un ovni. Ah bah, ça a l'air d'être dans ce coin-là, quand même. Beaucoup. Tâche. Ah, c'est peut-être pas du tout dans ce coin-là. Si? Ah, attendez. Non. Absolument pas. Il est où, le petit dossier? Plus vers le bas, comme ça. Quoi ça? Ah, ça, c'est l'emblème des chats. Boxing Club. Bah, je me suis peut-être juste trompé de quête, en fait. Tâche. Non, la vérité sur les ovnis, c'est bien ça. C'est bizarre parce que c'est la même... Attendez, peut-être que j'ai juste pas... Qu'est-ce qu'il fallait? Osaka.
Pareil que quelqu'un a vu un ovni, mais j'ai du mal à y croire. On laisse capturer. Non, mais si, ça doit être par ici quand même. Ça doit être par ici quand même. Tout de même. Mais j'ai pas de, de petit dossier cette fois. Cette fois, contrairement à. À avant. C'est point d'interrogation, ok. Contrairement à avant, j'ai l'impression que. Faut que je le trouve par moi-même. Sauf si. En vrai, il faut que j'attende le jour. Et c'est le cas, c'est terrible. Donc on va aller vers ce point-là, et ensuite, si je trouve pas, on regardera une solution. Mais avec un peu de chance, on va aller vers le point, et c'est juste qu'il y a un manque de consistance entre les affaires. On va s'adapter. Et si on entend le bruit de l'OVNI, on aura tout gagné. Bah, on entend complètement le bruit de l'OVNI, par contre. C'est la fête là, il est où? Il peut-être être encore plus fort. Oh, ça sent bon là, oui. Alors, c'est quoi? C'est ça. Ça. Le zoom. Mince. Reviens, reviens ici. Ça suffit pas ça? Alors, faut que je mette bien au sommet là. Peut-être faire en observation d'abord. Examiner. Je reviens par un ovni. Bon, je dois le prendre en photo. Ah, ça y est. Alors, l'ovni s'est arrêté, oui. Pourquoi il prend pas la photo? Faut que j'aille à un endroit précis pour prendre la photo? Ça demande des questions. Est-ce que je peux pas me mettre en mode observation? Ça marche pas. Ah, c'est carré pour sortir l'appareil photo. Ne me demandez pas pourquoi. Alors. Voilà, quel enfer. Prise avec le zoom maximum. Il est où. Le temps que je zoome aussi. Je me suis mis au pire point en fait. Ouais, j'y pense. Attends qu'il revienne par là. Je peux avoir gagné. Reviens par ici. Ah oui. Paf. Oh, il est pas net, heureusement. C'est raté. On va plutôt se remettre là où j'étais avant. C'était mieux. Zou. Il y avait un point vers là. Hop. Oh là là. Parfait. Bah lui-même le dit d'ailleurs. Parfait, je me suis surpassé. C'est vraiment un ovni. Si c'est le cas, ce serait une sacrée découverte. Mais c'est un peu louche quand même. Ah, tu fais partie du club d'études paranormales, pas vrai? Oui, je m'appelle Tokioka. Je crois savoir que Yabuki vous a embauché pour enquêter sur les ovnis. Je pensais bien vous trouver ici. Y'a un problème? Eh bien, il y a quelque chose que vous devez savoir au sujet de Yabuki, ou plutôt de son père. Je t'écoute. Eh bien, Yabuki pense que son père a été enlevé par des extraterrestres, mais moi, je crois savoir ce qui s'est réellement passé. C'est-à-dire? Vous voyez, mon oncle est détective, lui aussi, et la mère de Yabuki l'a engagé il y a quelques années. Pour savoir si son mari la trompait. Ah! Beaucoup plus terre à terre. Le premier contact n'était pas celui qu'on croyait. Elle pensait que son mari avait une maîtresse? Oui. Et il se trouve qu'elle avait raison. Les parents de Yabuki venaient d'entamer une procédure de divorce plutôt tendue quand son père a disparu. Avec les droits d'auteur et ses apparitions à la télé, il avait beaucoup d'argent et sa femme avait bien l'intention de le ruiner jusqu'au dernier centime. Je vois. C'était juste au moment où les ovnis faisaient la une à Jincho. Et quelques jours plus tard, Monsieur Yabuki a disparu. Moi, je suis persuadé qu'il est parti avec sa maîtresse, mais Yabuki, il est convaincu que son père a été enlevé par des extraterrestres. C'est terrible. Mais c'était pas tout. Je pense que son père lui a menti en lui racontant qu'il pouvait communiquer avec les extraterrestres, afin de préparer sa fuite. Il ne lui restait plus qu'à se cacher pour faire croire à sa famille qu'il avait peut-être été enlevé par des aliens. On peut tirer par les cheveux, mais connaissant Yabuki, on peut dire que les chiens ne font pas des chats. Oui. Et donc, qu'est-ce que tu attends?
J'aimerais que Yabuki arrête de fuir la réalité. S'il continue comme ça, il risque de devenir complètement timbré. Oui, c'est ce que je crains aussi. Mais, monsieur Yagami, si vous réussissiez à prendre un véritable avenir en photo, qui sait jusqu'où il ira pour retrouver son père? Je comprends ton inquiétude, mais tu ne crois pas que pour son bien, je devrais plutôt poursuivre ma mission? Hein? Et pourquoi pas? Et pourquoi ça? Eh bien, je ne suis pas du genre à laisser un mystère sans réponse. Surtout quand le bien-être d'une personne est en jeu. Personnellement, je ne pense pas que ces ovnis soient vrais. C'est même fort peu probable. Mais si je continue à les prendre en photo, il sera plus facile de prouver qu'il s'agit d'un canular, le moment venu. Et une fois que j'aurai réuni assez de preuves, on pourra peut-être ramener Yabuki à la raison. Je vois, vous avez raison. Et puis il m'a confié une mission. J'ai une enquête à mener, seulement il ignore encore à quel point ça va l'aider à avancer. Génial, merci monsieur Yagami. J'en prie. Mais, et si cet ovni était vraiment un vaisseau spatial? Eh bien, cela risquerait de changer la face du monde. J'espère que ça n'arrivera pas. Oh, il y a quand même très peu de chance, hein, c'est 1000 fois un drone. Bon, il faut que je continue à prendre d'autres photos pour le bien de Yabuki, et je vais essayer de voir sur internet si des ovnis ont été aperçus dans le coin. Ah, on est parti. Maintenant, on sait. Caché sous le lycée. Le lycée abrite une base souterraine pour les ovnis. C'est échappé du sous-sol. C'est 1000 fois. C'est 1000 fois des drones là-bas. Un ovni caché dans le lycée Célio. C'est ridicule. Une base souterraine secrète. Mais d'où ça sort, ça? Je vais quand même aller jeter un coup d'œil. Allons-y. Où serait l'entrée de cette base secrète? Apparemment dans la cour. Allez, personne ne saura que c'est nous. Oh mince. Directement l'agent de sécurité au niveau de l'accueil. Je crois que nous sommes cramés. Par contre, si je vais là... Je tombe au niveau du... Non, c'est bon, c'est la quête. J'avais peur de tomber au niveau du club que j'avais pas encore vu. Une brindille. Oh, chouette. Et un verre de terre. Tu crois vraiment qu'on va en voir? Ouais, j'en suis sûr. Demande ce qu'il fabrique. Non. Hey, vous êtes à la recherche de l'ovni, vous aussi? Ouais. Il paraît qu'il y en a un qui se cache dans le sous-sol du lycée. J'ai vu plus crédible comme rumeur. Et c'est pas le seul message de ce genre. Il y a même un lycéen qui a vu l'ovni sortir du bâtiment. Oh. On va aller voir ce qui se passe sur le toit. On voudrait pas le rater. Des rumeurs circulent au sujet d'un ovni caché dans le lycée Célio. Ça m'intrigue. Monsieur Yagami? Qu'est-ce que vous faites là, vous tous les deux? Yabuki m'a proposé de venir voir l'ovni du lycée. D'après lui, il va apparaître ce soir et ça devrait suffire à me convaincre. Je pensais que si Amazawa en voyait un de près, elle serait bien obligée d'admettre l'existence des extraterrestres. Sérieusement? Combien de fois je vais devoir te le dire? Une lumière vive n'est pas un signe de vie extraterrestre. C'est bien plus qu'une simple lumière. On parle même d'un véritable vaisseau spatial, là. Une vraie soucoupe volante dans le ciel. Désolé, mais c'est tout simplement impossible. T'es sérieuse? Tu sais que l'espace est infini, mais tu n'arrives pas à croire à l'existence d'une civilisation plus avancée que la nôtre? Qui sait ce dont ils sont capables avec leur technologie pointe? Ils pourraient très bien essayer d'entrer en contact avec nous, non? Oui, mais sûrement pas avec une rondelle en métal qui fait bip bip, quoi. S'ils sont si intelligents que ça, pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait?
Si je comprends bien, tu dis qu'il existe sûrement d'autres formes de vie dans l'univers, mais qu'on ne les a pas encore rencontrées. Exactement. C'est trop bizarre, non ? On appelle ça le paradoxe de Fermi. Des œuvres de fiction spéculatives ont tenté de l'expliquer. Mais ça n'empêche qu'il est fort peu probable qu'il existe une vie. Bon, ce n'est pas le moment de se disputer, on a un ovni à observer, pas vrai ? Ah, ouais, vous avez raison. On devrait monter sur le toit. On aura une meilleure vue, j'ai croisé quelques élèves qui allaient dans cette direction. Allez, tous ensemble. Vous voyez ça comme une sortie scolaire, ce sera la moins coûteuse du lycée. Mais on va vraiment en voir un ? Ah, tais-toi et ouvre l'œil. Si on réussit à avoir une photo, on pourra la vendre à un magazine et se faire plein de thunes. Il a l'air d'y avoir beaucoup d'adeptes du surnaturel au lycée Célion. Ouais, les ovnis sont redevenus un sujet à la mode. Il y a de sacrés pigeons en ce moment. Attendons de voir ce qui se passe avant de traiter les gens de pigeons. Tu veux bien ? Ah bah... juste lever la tête... Ils sont en mode, hey, ouvre l'œil. Machin fait un bruit d'enfer. Dites, ce ne serait pas un avis ? Quoi ? Hein ? Où ça ? Je veux dire, c'est clairement pas un avion. T'as fait des courses de drone, Yagami. Tu pourrais au moins y penser. Oui, vous avez raison, ça ne ressemble pas à un avion. Ah, c'est bien une rencontre rapprochée du premier type. C'est moi ou il vient vers nous ? Hein ? Mais c'est une blague. C'est une rencontre du quatrième type. C'est un enlèvement. Oh merde, ça sent aussi. Ah. Ah par contre il est vraiment customisé en mode de la vieille soucoupe des films noir et blanc. Hein, quoi je voyais ça plus grand. Monsieur Yagami, vite prenez la photo. Quoi? Ah oui c'est vrai. Vous avez vu la taille, c'est clairement un drone. Soit ça, soit un bonbon œuf. Alors. Je trouve déjà par où il va. Il est où ? Ah, il est là, c'était lui. D'accord. Il y avait un truc par ici. Imad. Parfait. Voilà, parfait. Ce vaisseau, il ressemble à celui que j'ai vu il y a 2 ans. Même si c'est vrai qu'il a l'air un peu petit. Mais ça ne veut rien dire, c'est peut-être lui qui a enlevé mon père à l'époque. C'est impossible. Regardez. La musique. Filme attention. Mais il est où, comme ça ? Monsieur Yagami, suivez-le ! Je demande pardon. S'ils ne veulent pas venir à nous, c'est nous qui viendrons à eux. D'accord, j'y vais. De toute façon, il est bien à un moment donné. Mon propriétaire va aller le chercher, donc autant qu'on suive autant que faire se peut. C'est moi qui me cultive tout le travail, on dirait. Ça, par contre, c'est une dure vérité. Pour le coup. Difficile de dire le contraire. Oh, ah non, c'est une poursuite comme ça, incroyable. Avec la petite musique. La musique des poursuites impromptues. L'électro swing de la poursuite. Pardon, monsieur. Ah, mais il nous attaque en plus. Tout va bien. Oula.
entre l'OVNI et... le modèle anatomique, on a vraiment les poursuites plus incroyables. Hein. Police, arrêtez-vous! Presque fatigué la présence extraterrestre. On a plus d'endurance qu'un ovni, j'y crois. Oh, oh oui, vas-y, vas-y. Bravo. Un frisbee customisé. Oh, 50 000 à nouveau, merveilleux. Je l'ai attrapé. Mais... il est minuscule. Alors, attends. Ah, monsieur Yagami. Intérêt à me rembourser le taxi, t'entends? Quoi? Vous avez réussi à attraper l'OVNI? Ils sont où les extraterrestres? Ils doivent être minuscules? Ou alors c'est peut-être un vaisseau télécommandé? Yabuki, c'est... c'est juste un drone. Ah, voilà, le mot est lâché. Quoi? Un drone? Ouais, cet objet n'a absolument rien de surnaturel. Regarde, on voit même les hélices qui le font voler. Et c'est impossible. Fabriqué en Chine? C'est pas vrai. Mais ça veut dire que mon père... Dis-moi, Yabuki, tu crois vraiment que ton père a été enlevé par des extraterrestres? Je veux bien reconnaître que c'était louche, cette histoire d'apparition il y a 2 ans. Ce genre de canular qu'on voit aux 4 coins du monde. Ouais, je sais. Vous avez raison, enfin, je veux dire. L'enlèvement extraterrestre, c'est ridicule. Yabuki, comment j'ai pu être assez stupide pour croire tout ça? Je savais très bien que ma mère avait embauché un détective et que mes parents étaient sur le point de divorcer. Et de quoi est-ce qu'il parle, monsieur Yagami? C'est une longue histoire. Écoute, Yabuki, je ne te demande pas d'arrêter de croire au surnaturel. Je peux comprendre la fascination qu'ont certaines personnes pour l'inconnu. Mais d'un autre côté... tu ne penses pas qu'il est important d'accepter la réalité telle qu'elle est? Surtout quand cela concerne ta famille. Oui, vous avez raison. Je crois qu'au fond de moi, je le savais déjà. Que je devrais bien grandir un jour. Ça ne doit pas être facile pour lui. Mais c'est une étape à passer. Monsieur Yagami, je n'ai pas l'habitude de dire ça en tant qu'amatrice de romans policiers. Mais je comprends que parfois on préfère fuir plutôt que d'affronter une vérité trop douloureuse. Malgré les apparences, j'ai de la peine pour Yabuki. Moi aussi. Et puis, après tout... la vie serait bien terne sans une certaine part de mystère. Mais il faut avoir le courage de regarder la vérité en face, surtout en vieillissant. Cela permet d'acquérir une certaine sagesse. Il faut avoir le courage de regarder la vérité en face. Voilà qui est bien dit. C'est toi, Tokyoka? Qu'est-ce que tu fais là? Tu cherches quelque chose? Un avenir est apparu ce soir, juste sous nos yeux. On aurait dit qu'il voulait qu'on le suive. C'est toi qui le pilotais, pas vrai? Quoi? C'est vrai? Je suis désolé. Je m'en doutais. Avec ce drone, tu espérais que Yabuki ouvre enfin les yeux, c'est ça? Et pour quelle raison? Je voulais juste qu'il arrête de regarder les étoiles. Qu'il s'intéresse enfin à moi. Un tournant inattendu dans l'affaire. J'étais dans l'idée de... je voulais juste lui rendre service. Et je me suis dit... bon, on aurait pu un peu nous faire moins courir quand même. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit... parce que je veux qu'il me voie, moi. Tokyoka, ne me dis pas que tu es amoureuse de Yabuki.
Je vous en prie, ne lui dites rien. D'accord, je comprends mieux maintenant. Et ben, avec tout ça, c'est plus de la science-fiction, mais un roman à l'eau de rose. Je te fais pas dire. Reste à savoir si Tokioka va avoir le courage de lui avouer ses sentiments. J'ai hâte de voir cette rencontre du troisième type. Oh là là, et belle punchline, bravo. Allez, bâtard. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'ai cru voir un... sûrement mon imagination. D'accord. Bon, je ferais mieux de rentrer chez moi. Allez, salaud. En mode. Finalement, et on vous le remet encore, hein, parce que c'était une invasion. Il y en a plein. Avec la petite musique qui fait peur. Ah, c'est terrible. Il avait raison pendant tout ce temps. Alors, ça nous fait celle-ci de fait. On en a une là-haut aussi. Changement de plan. Ce sera une seule quête pour ce soir. À sauvegarder. Portez-vous mieux. Des bisous. Bye.